Salut tout le monde, c'est le 52, je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale pour fêter les 100 abonnés. Vous êtes 100 abonnés à ma chaîne, je vous en remercie, vous êtes géniaux, tout simplement. Et donc, pour fêter ça, nous allons faire le QPH3. Comment t'éclaircis une image? Alors j'éclaircis une image avec photofiltre, donc je vais vous montrer. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc par exemple, prenons une image, je fais téléchargement, image, snap, alors, voilà, va prendre Final Cut Pro 4. Prenons la dernière image. Donc là, si vous voulez, je dois modifier la luminosité. Voilà. Ça devrait aller. Le contraste. Et la correction de gamma. C'est compliqué. Mais parfois, on y arrive. Voilà. Dès qu'on y arrive, on a un résultat de ce type-là. Donc là, on peut voir les nightmares. Alors là, ce que j'ai fait, c'était pas très bon. Mais j'ai toujours pris du temps à faire par exemple celle-ci elle m'a pris beaucoup de temps, il a fallu que je refasse plusieurs fois. Celle-ci c'est pareil. Donc voilà, c'est vraiment, ça me prend pas mal de temps, donc le faire là maintenant, je prendrais trop de temps pour la vidéo. Et donc vu qu'il y a déjà l'intro, que j'espère que vous avez trouvé génial, simplement. Et donc voilà. Donc on va pas s'attarder sur cette question là, nous allons passer à la suivante. Donc question suivante, elle vient de Sacha Ibruchen, donc désolé si j'écorche ton nom. Alors, c'est qui ton perso préféré, ton 10DC, celui qui te fait le plus peur? Mon perso c'est Foxy, Bonnie et Chica que je déteste. Qui me reformule pour un QPH, quel est ton animatronique préféré? Alors je vais te répondre avec ceci, donc j'ai carrément fait le classement de tous les animatroniques. Alors, mon premier, celui que je préfère, c'est Bonnie. Pour plusieurs raisons. D'un, pour commencer, c'est un lapin, et je préfère les lapins aux ours, aux poules et aux renards. Voilà, c'est tout simplement ça. En plus, il y a un champ avec des lapins qui est pas très loin de chez moi, donc quand on va les voir avec mon père, on les appelle les petits culs blancs, donc voilà, c'est un petit délire hein, entre père-fils. Oui, je sais, on est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, parce qu'il est bleu, et puis bleu, c'est ma couleur préférée, alors je sais qu'il y a beaucoup de choses pour moi, dès que c'est bleu, souvent, j'aime bien. C'est par exemple pour ça que ça, je mets ça en bleu, que ma chaîne, elle est basé plutôt sur la couleur bleue que rouge, qui est donc la deuxième couleur que je préfère. Enfin voilà, donc juste par couleur préférée. Et puis après il y a plusieurs autres caractéristiques, juste parce que par exemple sa version old elle est trop dark, hein, il fait arracher la gueule, enfin voilà, tu vois là les yeux, tout ça, c'est trop stylé, je trouve que c'est trop stylé. Et puis bon voilà, tout simplement parce que je le préfère, c'est mon petit Winnie, voilà. Vous remarquez sûrement dans, alors pas dans FNAF 3 puisqu'il est pas présent malheureusement. Mais dans FNAF 2, hein, vous voyez quelques fois que quand il est là, je fais « Ah non, Bonnie, ça sera pas, t'es mon préféré », ça, j'avais dit ça dans le second gameplay, je crois. Donc voilà. Alors ensuite, Foxy. Alors, je sais que Foxy, c'est la star parmi les animatroniques, beaucoup de personnes l'aiment, et pourtant, moi, il est en deuxième position, tout simplement parce qu'il m'a trop tué dans le 2. Il m'a trop tué, mais tout ça est à cause d'un petit con qui se trouve beaucoup plus bas. Oui. Je pense que vous savez déjà de qui je parle. Springtrap, parce que c'est mon pote. Après, je m'attarde pas sur les détails pour tout le monde. Donc après, il y a Mangle, Toy Bonnie, Freddy, Chica, Godet Freddy, Toy Chica, Puppet. Et donc là, je vous ai récapitulé tous les trucs. Mon animatronique préféré, je vous l'ai dit précédemment, c'était Bonnie. Celui qui me fait le plus peur, Puppet, parce que quand j'ai commencé FNAF 2, m'a bien défoncé, donc voilà, en fait le problème avec Puppet, c'est que si elle sort, t'as la petite musique là qui te dit que t'as perdu, en fait, elle va tourner en boucle, et elle peut venir dans les 2 secondes où elle est sortie de la boîte, comme dans 1 minute après qu'elle soit sortie, en fait tu ne sais jamais, contrairement par exemple avec Bonnie, Chica ou Freddy, là, oh mince, j'ai mis trop de temps pour mettre le masque, je suis mort. Elle, tu ne sais jamais quand est-ce qu'elle arrive. Donc si jamais dans un gameplay, je devais me faire tuer par Puppet, vous verrez à peu près que parfois, c'est assez surprenant. Je pense qu'il n'y a que elle qui peut vraiment me faire sursauter dans FNAF 2. Sinon, les autres, je sais à peu près quand est-ce que je meurs.
Voilà. Et celui que je déteste, c'est bien sûr Bébé. Il a fallu que je saute 3 pages parce que je pouvais pas le saquer. Voilà, vraiment, je le déteste, lui. C'est, voilà. Surnommé aussi le connard. Voilà. Je l'appelle comme ça, c'est... Voilà, simplement. Donc, vous avez toute la liste. Je n'ai pas mis les fantômes parce que je rappelle que les fantômes ne sont pas des animatroniques. Ce sont des fantômes, justement. Donc, voilà. Sinon, j'aurais pu les classer, mais je pense que je les aurais mis au même niveau que leur représentation. Donc, par exemple, Phantom Foxy, j'aurais peut-être mis là. Mais bon, voilà. Donc, on a bien parlé des animatroniques et pas des fantômes. Feras-tu une vidéo sur l'histoire des FNAF ? Oui, je préfère attendre que FNAF 4 sorte. Tout simplement pour pouvoir avoir le maximum d'informations, pour que certaines de mes petites questions soient résolues. Je sais qu'il y en a d'autres qui reviendront. Donc voilà, c'est vraiment encore, je suis dans le brouillard. En fait, je suis justement avec Benofis, hein, évidemment. Je fais exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de mettre des petits paragraphes de mes idées, que je tasse tout ça. Et en fait, après, je vais les remettre dans le bon sens. Et ça donnera une vidéo à peu près comme ma théorie sur la mort de Purple Game. Et feras-tu des jeux Minecraft ou autre avec des abonnés ? Si vous voulez jouer avec moi pour une vidéo, ça me dérange absolument pas. Au contraire, au moins comme ça, on pourra jouer tous ensemble. Hein. Je ne laisserai pas ma communauté dans un coin aller regarder mes vidéos. Non, je veux bien que vous participiez à mes vidéos. Ou dans ce cas, vous devez me demander. Hein. Je ne vais pas donner à tout le monde. Mais si vous voulez faire une vidéo avec moi, vous devez me demander mon Skype. Voilà. Via Facebook, via Twitter. Alors, YouTube, je ne sais pas si on peut envoyer des messages privés. Je pense. Mais moi, dans ce cas, je ne sais pas faire. Donc, ensuite, on va passer... la question de Vakin06. Pourquoi une vidéo avec la Steam Space? Donc il m'avait déjà posé la question dans le QPH2. Je sais pas en fait. J'attends juste qu'on me propose une vidéo. Mais je pense que ça pourrait être pour bientôt. Justement, je pense que je vais y aller. Après, je vais demander à la Steam Space de faire une petite vidéo. Mais voilà, c'est planifié quelque part dans le coin de ma tête. Mais voilà, sans plus. Accord du Min Games, accord du Minecraft. Alors, je vais mettre les choses au point. En fait, Minecraft, j'aime ce jeu. J'ai juste la flemme d'y jouer à chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, j'ouvre le machin, j'envoie mon monde, donc Minigames, j'ai comme ça et je fais... Ouais, mais non, j'ai pas envie, parce qu'il faut tout le temps construire ça. Enfin, en plus, je suis en train de faire un truc, je vous dis rien, parce que sinon, si je devais refaire des vidéos sur Minigames, je vais vous spoiler. Et tout simplement, si je fais pas trop de vidéos sur Minecraft, c'est parce qu'en plus je suis super maniaque. Vous voulez savoir pourquoi j'ai sauté Mingames? Le premier, pourquoi je l'ai arrêté et que j'en ai fait une map 2.0, je l'appelle comme ça, hein, voilà. Tout simplement parce que la structure de la map ne me plaisait pas, j'avais la flemme de tout raser. Donc j'ai fait, tu vas construire un nouveau monde, tant pis. Ça pourrait faire un truc de nouveauté, mais il y en a qui vont peut-être pas aimer, qui auraient bien voulu garder l'ancien. L'ancien, je l'ai toujours, hein, je l'ai pas supprimé. Mais je pense qu'il va rester dans les dossiers Minecraft. Voilà. Il est trop. Malheureusement. Question suivante. À quand tu fermes ta chaîne, porte c'est pas prévu, pour le moment, du moins, parce que je pense qu'un jour, pour X raison, je devrais la fermer. Mais là, nous sommes en plein dedans, donc non, je la fermerai pas. Et pourquoi pas Final Fantasy N952 pour le nouvel opus? Quand j'ai vu cette question-là, j'étais vraiment... Mais ouais, je sais. Non, sans déconner. Il y a des joueurs comme, par exemple, Markiplier, FunkyFween, Jekyll, après, il y en a plein d'autres que je connais pas, mais eux méritent qu'on leur fasse Final Fantasy, par exemple, FunkyFween, Jekyll, Markiplier. Et je vois pas pourquoi on ferait sur moi. C'est... Vous voyez bien que je me fais laminer que par rapport à d'autres, voilà. Donc, mais bon, j'étais quand même flatté. Et puis bon, quand même, le jeu serait bien horrible. Hein. Vous imaginez, vous êtes tranquillement dans votre bureau, vous jouez, et là d'un coup, vous voyez, vous sautez dessus. Donc, c'est vu la tête de con, c'est la crise cardiaque assurée. Ça vient de mon petit frère. Salut Emric, tu fais de bonnes vidéos, qui est corrigé en dessous. Continue comme ça. Peux-tu classer ces jeux dans l'ordre de ton préféré, puis le deuxième, puis le troisième? Alors, si on fait juste par jeu comme ça. Il a mis dans exactement le même ordre de mes préférés. Si je devais dire en même temps les noms, ce serait FNAF 2, FNAF 3, FNAF 1. Limite, il serait peut-être même derrière Clash, ils sont peut-être au même niveau, après Clash et après Sport. Pour certains, vous ne connaissez pas Sport.
Store, c'est un jeu de, sur l'évolution, vous devez faire évoluer une créature et après vous allez à la domination de la planète et de l'espace. C'est un vrai bordel, je ferai une série dessus. Je ne me tarde pas plus car la question d'après vient de The Lager Killer qui me fait des questions, enfin une question en plusieurs. Ça n'a aucun sens, mais vous voyez à peu près qu'il y a plusieurs questions. Alors, aimes-tu Monster Hunter? Sinon, je vais te tuer. Alors, s'il te plaît, me tue pas, je suis encore trop jeune. Je n'ai que 14 ans et demi, donc s'il te plaît, non. Oui, j'aime bien Monster Hunter, mais j'ai pas le jeu. Mais j'aime bien le fait de défoncer tout le monde. Justement, vous verrez ça dans ce sport. Quand une vidéo avec le Lagerclay, ou Grievous Overkin 06, tu as fait une faute. Ou les trois. Bah comme la Team Space, si vous voulez, je peux vous proposer justement après la vidéo, puis on fera peut-être une vidéo sur un jeu, on verra, pour le moment il n'y a encore rien prévu. Quand l'apocalypse arrivera, je sais pas, je suis pas devant. Tell the Walking Dead, à part le zombie du Call of Duty, j'aime pas les trucs de zombies, voilà. Donc j'ai joué à Dead Island, j'ai pas trop aimé. The Walking Dead, j'ai regardé, j'ai pas trop aimé. Voilà, les trucs de zombies ne me passionnent pas vraiment. En revanche, le zombie du Call of Duty, donc de World at War, mais je vais mettre que Black Ops parce que les maps ont été faites pour Black Ops. Donc Black Ops, Black Ops 2, et là il y a Doom Surfer qui est en train de se faire un exo-zombie. L'histoire, j'aime bien tout ça, j'aime bien éclater des zombies, c'est marrant tout ça. Mais voilà, sinon, je n'ai pas The Walking Dead. S'il te plaît, ne me tue pas. Explique pourquoi t'aimes FNAF. Je ne sais pas combien de temps on est dans la vidéo, mais ça risque de prendre énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'explications pourquoi j'aime FNAF. Soit je peux la faire tout de suite, soit je peux l'expliquer dans une autre vidéo. Désolé. Allez, vas-y, je vais l'expliquer tout de suite. Alors, il faut savoir que j'ai découvert Five Nights at Freddy's en regardant une vidéo de Squeezie. Donc, vous voulez être pressé, cliquez. Qui est disponible dans la description, mais je pense que vous l'avez vu. Donc voilà, on peut parler de plagiat, certes. Mais bon, c'est comme ça. Un truc qui passe pas. Et donc, en fait, j'ai regardé en boucle la vidéo. Parce que j'aimais bien le concept, j'aimais bien le voir se faire défoncer. Après, j'ai vu que Markiplier faisait pareil. Après, j'ai découvert ainsi, plus tard, j'ai découvert Funky Fun et Jekyll. Et en fait, juste en voyant Squeezie y jouer, ça m'a donné envie, alors que c'est un jeu d'horreur, et qu'à cette époque-là, je n'aimais pas les jeux d'horreur, en fait. J'avais téléchargé Slender, je m'étais fait défoncer une fois, et j'ai fait non, je jouerai pas de jeux d'horreur. Et bah, par contre, FNAF, j'ai bien aimé. Et donc après j'ai testé le 1, je me suis fait défoncer, vous verrez ça dans les prochaines vidéos sur FNAF. Le 2 j'ai bien aimé, la difficulté certes est plus élevée, mais je m'y habitue beaucoup plus vite qu'au 1. Et le 3 bah, j'ai beaucoup aimé, hein, vous avez vu ça, j'ai réalisé la good ending et j'attends impatiemment le 4. Voilà. Pourquoi j'aime bien le système de point of click, les animatroniques, je les trouve d'art, stylé, quel qu'il soit, même bébé, même si c'est un connard, je l'aime bien quand même dans le jeu, sinon tout le reste, toutes ses qualités, défauts, quelque sorte, non, je l'aime pas ça, et l'histoire aussi qui m'intéresse énormément, voilà, donc c'est pour ces trois arguments que j'aime FNAF. Pourquoi tu n'utilises pas Sony Vegas? J'ai dépassé la date d'abonnement, la date des 30 jours. Enfin, j'ai abonnement de trucs gratuits et je peux pas donc le re-télécharger. Et bon, de toute façon, avec mes logiciels, je peux toujours faire des vidéos, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Quand tu viendras chez moi pour une revanche perso qu'on s'était dit depuis la 6ème? Bah, tu vois, je m'en souvenais même pas avant de dire cette question. J'étais comme ça, je fais de quoi il parle encore, mais putain, je sais pas. Voilà, tu pourrais dire que Grievous est un enfoiré. Grievous est un enfoiré, peut-être pas, s'il te plaît. Victime Molos. Une dernière question, tu aurais une question à me poser? Pourquoi t'es con? Donc j'espère que ce petit QPH vous aura plu. Je vous remercie encore une fois d'être sans abonnés. Vous êtes géniaux, continuez. Puis moi je continuerai à faire mes vidéos. Sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine.